Trois hommes dans un bateau, de Jérôme Cagérôme. Jules Verne, je crois. Pascal Fioretto, parce qu'il est marrant. Ou Stephen King, parce qu'il a plein d'idées. Alors, même si on est toujours déçu sur les 10 dernières pages, les 490 qui sont avant, elles sont bien. Si Internet n'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais. C'est Joe Dassin. Je suis un vieux monsieur maintenant. Alors, si j'étais président de la République, j'avais plus un enfant dans de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre. Est-ce que tu serais content si j'étais président ? Los Angeles, tout de suite. Je pense qu'il serait moins chiant que les gens qui disent qu'il existe. Il serait un peu plus libertaire. Alors en ce moment, Schwarzenegger, voilà, un petit peu d'auto-promo pour le spectacle, ça fait pas de mal. Hein. Je suis désolé. Ou Marc Lévy, peut-être Marc Lévy, très bon bouquin. Voilà, comment devenir le nouveau Marc Lévy, une star. Je le montre parce que c'est moi qui l'ai écrit. J'allais dire la dépression, c'est pas un truc à dire. Le rire. Mais ça va ensemble. Je connais pas un humoriste qui soit pas un peu dépressif. Douze hommes en colère. Elise de Wold, ça c'est dans le flip de Beverly Hills 3. C'est Eddie Murphy qui monte sur scène pour faire chier le grand méchant du film qui s'appelle Elise de Wold et qui lui fait faire une acclamation en répétant son nom 200 fois. Et j'adore cette scène, c'est la première scène que j'ai vue tout seul au cinéma et qui m'est fait rire. Donc elle est restée là. Et d'ailleurs, j'ai même racheté la statuette que reçoit Elise de Wold pendant la cérémonie, elle est chez moi. J'adore cette scène. Elise de Wold, on applaudit Elise, sacré Elise. One Step Beyond The Madness. Ça, j'aime bien le côté un pas en avant. Don't Stop Believing de Journey, mais ça veut dire la même chose. Ah, ce serait l'humour de toute façon. Ah, si j'avais plus d'inspiration, je mourrais. De tristesse dans un premier temps, puis de faim hein, dans un second. Parce que ça me fait bouffer quand même cette histoire-là. Mais non, je mourrais dans les 24 heures.